Apex, bonjour. Ah, du côté de Pinfrette? Ok, super. La météo sur place, ça donne quoi? Ok, parfait. Eh ben, merci beaucoup et on arrive. Oui, c'est Alex. Je viens d'avoir un appel au Glénan. Du coup, vous préparez le bateau, je vous retrouve sur le port, j'amène tout le matériel, les balises, le reste et on est parti. Super, merci. Le matos est prêt, on est bon? On est prêt à partir? Nickel, la première, merci. Surtout, ouvrez l'œil, parce que à partir de maintenant et jusqu'à ce qu'on arrive au Glénan, on peut avoir la chance d'en apercevoir. Et le plaisancier qui nous a appelé ce matin nous a signalé un seul individu, mais on peut aussi croiser un petit groupe. Donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on va rencontrer Armel de l'association Plein Phare sur Pinfrette et on va pouvoir monter justement dans le phare et essayer de prendre un peu de hauteur pour tenter de voir des requins pèlerins. Ah, quelle vue, c'est toujours aussi beau, c'est top pour observer les pèlerins. Et est-ce qu'il y a un gros triangle noir qui sort quelque part? Est-ce qu'on aurait un pèlerin là? Je jette un coup d'œil vers Base Jaune, là. C'est vrai qu'en 2018, les pèlerins ils étaient entre Pinfrette et Base Jaune, donc c'est un coin qui est assez riche en général aussi. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'aileron. La journée n'est pas finie. Ça fait plus de 20 ans que nous, biologistes de l'Apex, tentons d'observer de près ces requins géants. Entre avril et juillet, ils viennent se nourrir au large des côtes du Finistère, l'un des rares endroits au monde où l'on peut les apercevoir lorsqu'ils remontent à la surface. Pour nous, ces rencontres furtives sont une occasion unique, celle d'approcher ces grands voyageurs, bien sûr, mais surtout de réaliser des relevés biologiques, puis de fixer, derrière la nageoire dorsale, une balise satellitaire. Grâce au signalement des pêcheurs et des plaisanciers, et en s'appuyant sur ces données scientifiques, nous espérons comprendre comment vivent ces requins encore mystérieux. Je m'appelle Eric et du coup je suis accompagné de ma collègue Alexandra. Alors on travaille tous les deux pour une association qui s'appelle l'APEX. Et ça veut dire Association pour l'étude et la conservation des Sélaciens. Ce sont les requins et les raies. Et donc notre objectif c'est de les étudier pour mieux les connaître, pour pouvoir mieux les protéger. Des raies et des requins, il en existe beaucoup et il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui menacés. Et donc aujourd'hui on vient pour vous parler d'une espèce en particulier. Celui que vous voyez en photo là, qui s'appelle le requin pèlerin. Et alors pourquoi on vient vous parler en particulier du requin pèlerin? Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais c'est une espèce de requin qui, à certains moments, peut être observée ici, tout près de l'Esconil. Alors, voilà le requin pèlerin. C'est un des plus grands requins du monde. On va mettre la photo d'après, vous allez voir aussi, on s'en rend bien compte. Donc, vous voyez que notre requin, il fait quasiment deux fois la taille du bateau qu'on voit ici sur la photo. Donc ça veut dire que notre requin, on va faire un peu de maths, si le bateau il fait 6 mètres et que le requin il est deux fois plus grand, il fait 12 mètres. Et bien effectivement, 12 mètres, c'est la taille maximum que peut faire un requin pèlerin. On va essayer de mesurer combien ça fait 12 mètres. On va voir si on pourrait faire rentrer un requin pèlerin dans la classe. Hop, allez, on va faire une petite pause ici. Vous pensez qu'on est à combien là? 6. Ouais, pas mal, 6 mètres pile. Donc là, en fait, on a un demi-requin pèlerin. Alors, donc c'est vraiment un géant des mers. Alors, on vous a mis une petite vidéo là pour vous montrer un requin pèlerin en train de se nourrir. Donc voilà, vous voyez qu'il nage tout tranquillement, la bouche grande ouverte. Et donc voilà, on voit très bien les fentes branchiales, là, ces ouvertures. Et donc l'eau rentre dans la bouche et elle va ressortir ici au niveau des fentes branchiales. Effectivement, ce requin pèlerin, il est complètement inoffensif parce qu'il mange des proies minuscules en filtrant l'eau. Mais il faut savoir que la grande majorité des requins sont
complètement inoffensif. Est-ce qu'on peut rentrer dans la bouche du requin? sur effectivement, un gros requin pèlerin, si on prend un requin de 12 mètres, bah, effectivement, quand on a la bouche ouverte, c'est vraiment énorme. Et oui, on pourrait quasiment tenir debout à l'intérieur. Alors ça, c'est une mâchoire d'un petit requin pèlerin. Celui-là, il faisait à peu près 3 mètres. Donc, vous voyez que c'est presque un bébé requin pèlerin. Et donc, vous voyez déjà la taille de sa bouche. Donc, vous imaginez celui de 12 mètres. C'est immense. Comment les requins pèlerins font pour se faire un bisou sur la bouche? Parce que sinon, ils rentrent dans la bouche de l'autre. Depuis quand vous intéressez-vous aux requins et pourquoi? Alors, la toute première fois où j'ai vu un requin pèlerin, je crois que j'avais presque les larmes aux yeux. C'est hyper émouvant et c'est hyper impressionnant de voir un animal aussi grand. Et la première fois que j'ai posé une balise dessus par satellite, j'étais aussi très stressée. J'avais les mains qui tremblaient parce qu'il fallait faire bien et assez rapidement pour ne pas embêter l'animal trop longtemps. Et c'est tout un mélange d'émotions qui sont très fortes. Et c'est vraiment un super moment. Tu t'en profites et t'en as plein les yeux. Ça marche. On va se rapprocher du Guilvinec. Il y aura un peu plus de vie, je pense, de l'autre côté. Ce sera mieux, je pense. L'eau sera plus claire. Il y a un truc qui flotte là-bas, non ? Ça, là. Là-bas, là. Ouais, il y en a un deuxième là-bas, regarde. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est des dauphins, non ? Non, c'est pas des dauphins. Ça. C'est bon, vas-y. Croiser la route d'un requin pèlerin, c'est une aventure de plus en plus rare, même pour les habitués des côtes finistériennes. Pour ce plongeur expérimenté, c'est jour de chance. Regarder les dernières images quasiment sous-marines de pèlerins qui ont été tournées sur les côtes bretonnes. C'était il y a 2 ans, un pèlerin qui faisait à peu près 8 mètres. Et le truc, c'est qu'il n'y en avait pas qu'un, il en a vu 3. Du coup, alors, on ne les voit pas forcément sur la vidéo ensemble, mais il y avait 3 énormes pèlerins qui étaient en train de se nourrir. Là. On voit bien le plancton là, en surface, et c'est impressionnant. J'espère qu'il mesure la chance qu'il a d'avoir pu rencontrer des requins pèlerins, parce que ça devient de plus en plus difficile. Hein. Ouais, mais il m'a appelé quand il était encore avec les pèlerins et il était hyper impressionné et émerveillé de sa rencontre. J'aurais bien voulu être à sa place. C'est vrai que moi, ça fait 2 ans là, que j'ai pas réussi à en voir. Donc, Nous, ça fait des années qu'on les cherche aussi et pour l'instant, on n'a jamais réussi à les voir en Bretagne. Du coup, on a pris les devants cette année. On va aller au meilleur endroit du monde pour essayer de trouver les requins pèlerins. Ouais. Tu sais où c'est? C'est ici. À Tairi, en Écosse, dans la mer des Hébrides. Et est-ce que tu penses que si on voit des requins pèlerins à Tairi, ça peut être aussi des requins que tu as vus quelques mois avant en Bretagne? C'est possible. Après, il faut qu'il y ait des marques caractéristiques sur les pèlerins. Et on peut regarder les derniers pèlerins que j'ai vus en 2018. Donc là, Iroise, ce qui a ses caractéristiques, c'est sa petite cicatrice en haut de l'aileron. Mais comme les requins cicatrisent très vite, elle risque d'avoir disparu 2 ans plus tard, cette cicatrice. Et ce qui est super avec Marie B, c'est le requin de tous les records. C'est le plus long suivi au monde jamais réalisé sur un pèlerin. Ça a duré plus de 800 jours. Et c'est super pour avoir une idée de ses déplacements et de voir notamment que 2 ans après, elle est revenue en mer du Nord, zone dans laquelle on n'avait jamais observé de requin pèlerin équipé de balises de suivi par satellite. Je croiserai peut-être Marie B. Ok, Marfon, il passe le bonjour pour toi. C'est ça. Ah, la mer, elle est bien calme aujourd'hui. Je pense qu'on a nos chances avec les pèlerins. On pourra mieux voir les ailerons. Il y a pire qu'un endroit pour dormir. Hein. Allez, allez. En avant, Guingamp. La ligne de flottaison de Mecton, elle est assez basse. Ouais. Tu sens qu'il est bien chargé en caméra, bouteille de plongée, palme, les kilos de pâtes, les dizaines de camemberts que j'ai ramenés de France. Et les 2-3 bouteilles de vin aussi. Allez! Y a du monde ce matin? Vous êtes réveillés? Bon, on n'a pas trouvé de croissant en Écosse, mais on a du pain frais. Ah, cool! Bon, bah, un petit déj pèlerin. Déj pèlerin. Ok, super.
Comme nous, Jérôme et Benjamin sont des passionnés de plongée sous-marine. Avec Cyrielle et Armel, ces Bretons veulent sensibiliser le grand public au sort des requins pour mieux les protéger. Alors, depuis 3 ans, avec Lords of the Ocean, l'association qu'ils ont fondée, ils sillonnent les océans à bord de leur voilier pour filmer les requins les plus emblématiques. Pour leur nouveau film, ce sont les pèlerins qu'ils tentent d'approcher. Mais pour filmer ces requins géants, il faut déjà les trouver. Avec ces conditions, il faut qu'on aille dans les zones abritées. Et cette zone-là, c'est réputé pour être vraiment un high spot des requins pèlerins. Ouais, c'est sûr. Non, mais... c'est là où les locaux nous ont dit qu'ils les voyaient la plupart du temps. C'est là où tu peux traverser à dos de pèlerins d'une île à l'autre. Selon la légende. Selon la légende locale. Bon, on n'y croit pas trop. Souvent, on me la raconte après quelques bières, cette légende, tu vois. C'est pas le mec sobre, il te dit direct « Ouais, une fois, j'ai traversé les deux îles à deux pèlerins, quoi. » C'est toujours après 6-7 pintes que t'entends ce genre de truc. J'essaye de monter en haut, je reste 3 quarts d'heure, jusqu'à ce que j'ai trop froid. Je vais voir si, en ayant un peu de hauteur, on arrive à mieux voir les ailerons. Même, hein, ça se trouve, j'arriverai à les voir sous l'eau, s'ils sont près du bateau, quoi. Pour manger de pâtes. Tu les sens, les kilos en trop, là? Ok. Ouais, encore un petit peu. Stop. Bourdi, tu vois quelque chose? Je pense que ça va être un beau moment, quand il va y avoir un aileron au loin, là, quand Bourdi va nous dire requin, requin. Ça va être vraiment cool. Enfin, de toute façon, faut vraiment être un peu fou. Passionné pour faire ce qu'on fait, quoi. T'attends 10 heures par jour pendant 2 semaines et pour 5 minutes quoi, de plonger avec un requin qui est même pas sûr en fait. Enfin, ouais, mais quelles 5 minutes, on sait que quand ça arrive, c'est magique quoi. Ouais, et puis le moment où ça arrive, t'oublies tout. Toute la galère. Le sacrifice, là où t'as pas dormi, la houle, l'attente, le regard dans les vagues pendant des heures. Hein. Quand ça arrive, ouais, ça prend du sens quoi. Ouais, rien que ce petit moment de magie. Il y a plein de personnes qui demandent à chaque fois, mais t'as pas peur de te faire manger? Enfin, il a la bouche grande ouverte et tout. Franchement, nous, je crois que tout cela. Zéro peur, enfin, c'est vraiment juste un peu du respect et puis de l'admiration, mais il n'y a pas du tout de crainte. Ben voilà. Pas de pèlerin malheureusement. Allez, au prochain, au suivant. Pour moi, c'est un phoque. Bourdi, qu'est-ce que tu vois? Je le vois, mais pour moi, c'est un phoque. Avec son petit museau. Bah, va dessus quand même, va dessus. C'est vrai, moi, pour moi, le pire, c'est la tête de phoque. Ouais. Fixe, noir. T'es là, tu. Oh là là, il y a un aileron, un aileron. Tu te rapproches et après, tu vois la tête qui se retourne, tu vois le phoque qui te regarde, genre salut. Et là, tu fais ah bah non. Tenez. Merci. Appelez-nous à ce numéro si vous voyez un requin pèlerin. Je viens voir si t'as vu du pèlerin. Non, aujourd'hui. Et depuis le début de la saison, non plus, rien du tout. L'année dernière. Ouais. Oui, là-bas. Et... À chaque début de saison, pendant que j'incite les pêcheurs de mer d'Iroise et du Sud Finistère à nous alerter dès qu'ils croisent la route d'un pèlerin, Eric, de son côté, continue d'enquêter sur ce géant des océans. Je viens de voir là, parce qu'on a reçu des photos des chouages, de carcasses. Donc bon, on est
assez convaincu que c'est du requin pèlerin. Donc, comme tu sais, hein, on travaille sur le requin pèlerin depuis pas mal de temps maintenant. Mais du coup, je voulais te montrer ces photos-là. Un chalutier japonais donc, au large de la Nouvelle-Zélande. Donc, tu vois, ça date de 1977. Ouais. Donc, ils ont remonté dans leur chalut cette espèce de carcasse qui me fait vraiment penser à ce qu'on peut voir de temps en temps. C'est sûr que pour eux, en 1977... Ça a dû être un choc, enfin même maintenant, hein, tu as l'impression d'avoir chopé un dinosaure. Ça c'est intéressant parce que c'est typiquement le genre d'image qu'on va traiter quand on fait de l'écologie historique, où on cherche à donner un nom à des monstres, des choses spectaculaires qui ont été observées par le passé. Et à faire parler en fait ces restes. Mais aujourd'hui encore, quand on tombe sur des carcasses, des choses un peu spectaculaires comme ça, on imagine, on a envie d'imaginer un nouveau monstre du Loch Ness. Tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça peut être inspiré par le requin pèlerin. Le requin pèlerin, en fait, on le retrouve souvent dans des représentations de monstres marins. Pourquoi ? Parce que d'une part, il est gros. Ouais. Donc forcément, ça marque plus le public. Mais également, c'est une espèce épipélagique, donc qui vit en surface, qui va facilement s'échouer sur les côtes. T'en as d'autres, là, des photos, du coup ? Ouais. Qui fait des filets. Alors, le monstre de Kerqueville, c'est un spécimen, en fait, qui s'était échoué sur une plage en Normandie. Ça avait été supposé être un dinosaure ou quelque chose dans le genre à l'époque. Et si tu mets en parallèle une photo de plésiosaure, mais tu vois, tu as exactement la même chose. Tu prends un requin pèlerin, tu retires la mâchoire, tu as un plésiosaure. Alors, la météo. Bah, demain, 25-26 nœuds, 3 mètres de vagues. On va peut-être aller au pub, hein, parler avec les locaux et tout. On va aller parler avec Frasseur et Chris l'année dernière, ils ont été de bons conseils. Donc, ouais, carrément. Ce sera bien de discuter avec eux, de leur montrer qu'on est là, voir s'ils ont vu des trucs. Peut-être qu'ils nous donneront des petits tips. Hey! How are you? Hey, Chris. Good to see you. Good to see you guys. How have you been? Long time no see. Good trip. How are you? Vous avez vu des requins pèlerins? On en a vu 5 ou 6. Un en mai et 5 en juillet. Et en août? Aucun en août. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Dans les meilleurs jours, combien vous envoyez ? Des centaines. Des centaines ? Celui qu'on a vu en mai, il faisait dans les 8-9 mètres. Et quand vous étiez enfant, vous en voyiez plus qu'aujourd'hui ? Quand j'étais petit, je partais pêcher avec mon grand-père. Et on en voyait à tous les coups. À cette époque-là, c'était garanti. Mais d'après toi, pourquoi ils ne viennent toujours pas cette année ? Moi, je pense que c'est le changement climatique. Vraiment ? Tu penses qu'ils ne viennent plus parce qu'il n'y a plus assez de plancton ? Oui, l'air et l'eau se réchauffent, ils ne se nourrissent plus ici. Si le plancton n'est plus là, il n'y aura plus de requins pèlerins. Selon toi, par où on devrait aller pour les trouver la semaine prochaine ? Nous, on va par là, et vous allez par là. To the sharks. Au requin. The sharks. Yep, guys. And thank you for coming. It was cool to see you. Yeah, thank you for coming. Cheers. Good to see you again. En fait, ici, Trévignon, c'est l'endroit où les requins étaient débarqués. Donc, ils étaient pêchés juste devant là. Là, dans la baie. Quoi. Ouais.
on a retrouvé là, des photos de l'époque. Alors du coup, à celle-là, j'ai l'impression qu'on est exactement à l'endroit où on retrouve les piliers. Là. Donc effectivement, on voit bien les requins qui étaient ramenés ici sur le sable. Sur cette photo, là, vous êtes où, André ? À l'arrière, là, tout à fait. On ne voit que ma casquette. Là. Et donc, il y a votre papa aussi sur la photo, c'est ça qui... Mon père est là. Ouais. Et donc aujourd'hui, des personnes qui ont pratiqué cette pêche à Trévignon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je suis le dernier, comme le dernier des Mohicans, je suis le dernier des pêcheurs de pèlerins. Voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce qui se passait à l'époque ? Le premier pèlerin qui a été pêché, c'était en 1942. Un bestiau pareil à l'époque. Oh, qu'est-ce que c'est ? Et puis, à ce moment-là, on ne prélevait que le foie. Il a procuré tout de suite une quantité astronomique d'huile et qui servait à tout. Ah oui. Tous les gamins de mon âge, ils vous le diront, il n'y en a plus beaucoup, ceux qui ont mangé des frites faites avec l'huile de foie de pèlerin. Ils s'en souviennent toute leur vie. Toutes les fibres de mon être sont encore tout imprégnées, ça c'est sûr. Et puis ça sentait mauvais, c'est pas croyable. C'est impressionnant quand on voit la taille, la taille du requin là à côté de... Il fallait être courageux pour aller piquer des pèlerins. Ne pas avoir peur. La première fois que j'ai balancé mon harpon, c'était pas trop fier. Hein. C'est un peu le vieil homme et la mer, quand même, quelque part. Qu'on voit des gars comme André et ça, qui ramènent des poissons de 6-7 tonnes. Il y a quelque chose de magique. Ouais. Bon, je trouve, avec un petit harpon comme ça. Quoi. On assistait à la montée des pèlerins, des dépeçage sur la cale, le froid. On ramenait ça à Concarneau, le camion qui venait là. Aujourd'hui, la pêche au requin pèlerin est interdite. Et ça fait quelques années que c'est le cas. Oh là là. C'est interdit de pêcher depuis, le pèlerin. Ouais, depuis 2006. Ah bon. Oh, mais j'irai plus. Je viens de voir un aileron, quasiment sûr que c'est un pèlerin. C'est sûr, c'est sûr. Et par contre, la mer est pas top, donc c'est compliqué d'arriver à le respotter. Et il est sûrement rentré dans la zone du soleil, donc très très compliqué d'arriver à le revoir. On va essayer de retrouver le pèlerin et de plonger avec. La mer est vraiment pas cool. C'est pas idéal là pour plonger. Apex, bonjour. Ok, parfait. Est-ce que vous voyez toujours les ailerons ? Alors, n'hésitez pas à prendre quelques photos et nous, on va vous retrouver en mer. Les requins pèlerins ne sont plus vraiment au rendez-vous ces dernières années au large de la Bretagne. Mais à chaque signalement, nous essaierons inlassablement de les approcher pour tenter de comprendre enfin ces animaux extraordinaires.